Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Nous poursuivons le témoin puissant précédent, c'est la partie numéro 4, et ici nous allons découvrir des choses qui mènent les gens à l'enfer, et en particulier les femmes. Beaucoup de femmes vont en enfer parce que bon nombre de femmes, de nombreuses femmes sur la terre, refusent encore d'accepter que toutes ces choses qui se trouvent même à l'écran sont susceptibles de les conduire en enfer. Elles vont être belles et présentables. Mais abandonner toutes ces choses semble impossible pour elle. Que devons-nous faire? Nous allons découvrir ici que la sirène des eaux est derrière cela et que même dans les églises, elle y rentre et elle s'assoit, elle est accueillie comme une reine. Vous serez même surpris par ce que vous venez d'entendre. C'est la suite. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous maintenant. Attirez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Écoutons. Quand je servais Ouattara, parcourait les églises catholiques dans le monde. Comment est-ce qu'on parcourait, on visitait les églises catholiques dans le monde? Voici comment on parcourait les églises catholiques dans le monde. Autant nous autres, on est sur la terre ici parce que, à cause des salons de coiffure, de Pierre m'a visité là. Quand tu dors, maintenant, matin, tu vas te reposer, oh, quand tu dors, tu vas trouver ton âme sous la mer. À midi, oh, ton âme est sous la mer. La nuit, oh, la gâtée. Tu parcours la mer comme des. Tu parcours la mer. Tous les lieux de la mer, tu vas tout seul. Quand tu te réveilles, tu vas que tu es quitté sous la mer, tu es réveillé. Comme ça. Donc, voici comment on visitait les églises catholiques dans le monde. Au moment où nous qui sommes sur la terre ici, on doit aller à la rencontre de Ouata et son royaume sous la mer. C'est comme Ouata doit sortir de la mer avec ses agents qui sont sous la mer. Et lorsque eux ils quittent, ils sont bien accompagnés de tout ce qu'il faut pour la musique. Guitare, hein, piano. Et quand elle dit Ouata, elle parle de Mami Ouata ou encore la sirène des eaux. Et ceux qui sont là-bas viennent se joindre à nous et puis on chante Marie, Marie, Marie. Et c'est exactement ce qu'ils chantaient pour entrer dans l'église. On danse, hein? Par soutien de Jésus, oh Marie. On danse, 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 on danse. Tous les chanteurs catholiques, Marie, oh, moi, on chante tout. Tout en bas de Marie, on chante tout. Et on danse jusqu'on arrive devant une grande église catholique. Lorsqu'on est au moins à 30 mètres de l'église catholique, Ouata commence à se transformer. Elle se transforme comme monstre. Elle se transforme où elle en pantalon comme une jeune dame de 35 ans. Pantalon, à elle est méchant, Rwanda, sur elle. J'ai oublié, parce qu'elle m'a dit aussi que c'est l'ornement du dragon. La mèche que vous voyez, c'est serpent. Mèche là, c'est serpent. L'ornement du dragon. Tu dis que tu as peur du serpent. Hein? Tu as peur du serpent. Mais tu mets mèche sur ta tête. C'est serpent aussi que tu portes sur ta tête. C'est l'ornement de Satan. Le dragon, c'est qui dans la Bible. Donc voilà, elle est comme une jeune fille, elle est de 35 ans. Et à la mèche et puis pour du pantalon sur elle. Ça, c'est le deuxième changement. Troisième changement de Ouata, où tu vois Ouata, Ouata, maintenant, elle est en queue de poisson, telle que l'humanité, la terre entière la connaît, que c'est sirène des eaux. Elle est en queue de poisson. Après queue de poisson, 4 ans pour deux maintenant, Ouata, elle se change, elle est dans habit éclatant. Robe de mariage. Elle devient d'une beauté extraordinaire auquel tu vas dire non. Moi, je vais devenir comme cette dame. Elle est belle. Avec tout ce que les femmes mettent pour se maquiller, pour se. En tout cas, tout est sûr. Beauté extraordinaire. Comme j'ai une blanche. De toute façon, les catholiques te présentent à Maman Marie. Même chose. Même chose, même beauté. Et ses cheveux qui sont faits comme femme qui va se marier. Et on est derrière elle. Lorsqu'on arrive devant l'église catholique, c'est comme les gens des catholiques sont au but. Et puis le dirigeant de l'église catholique a dit au peuple, faites silence, la Vierge Marie arrive, elle a fait son entrée. Au moment où Ouata rentre dans l'église catholique, tout le peuple, ma Marie est venue, la mère est venue, donnons sur votre terre, ma Marie est venue, parce qu'on dit d'acclamer Jésus, elle le ressuscité des morts, on n'arrive pas à l'acclamer là, c'est bon, le diable. Vous n'avez pas dit la sirène des eaux. Ah, bien ma côté, c'est pas pour. Elle va me dire, notre mère se voit à terre. Notre mère est venue. Maman est venue. Maman. Au moment où Ouata rentre, voici les signes qui se présentent dans l'église catholique. Quand elle rentre dans l'église catholique, tout type de démons.
comme chien, comme chat, comme souris, hippopotame, rhinocéros, caméléon, hein? Serpent, tout type de démons de diverses catégories rentrent dans l'église catholique. Et quand ils rentrent dans l'église catholique, autant les gens sont, les démons là sont au milieu d'eux comme ça. Rentrent au milieu d'eux comme ça. Et le deuxième ciel s'ouvre. Le royaume de Satan s'ouvre. Et les démons chient. Imaginez diarrhée de chien. Les démons chient sur les gens de l'église catholique comme ça. Et Ouata s'assoit sur le trône guéri. Quand il s'assoit, on le grotte comme ça. Dans l'église catholique. Et les livres dont il m'a montré sur la main, Mystère et Rosaire, ça est dans sa main. Sont dans sa main. Et elle utilise Rosaire, c'est comme c'est elle qui doit diriger le peuple de l'église catholique. Voilà comment, quand je servais Ouata, avant que je n'arrête de presser, quand je servais Ouata, voilà ce qui s'est passé. Donc, tellement qu'elle me fatiguait. Elle me fatiguait. Un jour là, c'était peut-être devenu trop parce que physiquement, quand je marche, elle est avec moi. Elle montre qu'elle est avec moi. Et suis son élément. Quand je marche, voici que des poissons qui touchent. Où je vais là, c'est elle qui est devenue l'âme de Dieu derrière moi. C'est comme je ne connais pas Jésus. Jésus ne me connaît plus. Ça, elle j'appartient. Donc c'était devenu tellement horrible maintenant là qu'un jour, je me suis prosterné dans la maison où j'étais à Yukubo Maroc. Seigneur Jésus, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est toi qui m'as levé dans l'islam. Qui m'a levé au milieu des légions qui sont les démons, la folie. Mes parents désiraient me sacrifier pour leur richesse. Et c'est toi qui m'as levé là-bas pour que je te serve. Mais pourquoi encore je veux servir encore un démon? Toujours, attends. Toujours, je ne vois plus rien de ce qui est de Jésus-Christ. C'est toujours le royaume de Ouata. Ça s'est passé trois au moins 3 à 4 mois comme ça. Que vraiment, Seigneur, je suis fatigué. Et j'ai commencé à pleurer, vraiment, je pleurais. Chemise que j'avais portée vraiment était mouillée. Ma petite chemise était mouillée sous moi. Seigneur, pardon, dis-moi un mot, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi un mot qui m'a fait grâce et s'est dressé. Garde, tous les dons ne viennent pas de Dieu. Le diable aussi a ses dons aussi qui donne aux gens. Il communique aux gens, tu as dit don de Dieu. Oh, c'est don du diable aussi. Donc, j'ai commencé à parler à Jésus-Christ, à parler à l'Éternel. Quand j'ai commencé à parler, tout d'un coup, c'est comme bruit de tonnerre et la voix qui va me dire, ma fille, toutes ces choses sont interdites pour le royaume de Dieu. Tout ce qui attire la convoitise et la séduction n'entre pas dans le royaume de Dieu. Car ce qui est lié au corps est lié à l'âme. Donc, quand j'ai entendu la voix, après je suis sauté et mes genoux sont suicidés. La voix de Dieu là aussi, ça fait peur. On dirait tonner dans mes oreilles après. Et il y a une frayeur venue en confection. Il dit, Seigneur Jésus, merci de m'avoir répondu. Et je me suis dit, ah, autant tu m'as montré l'enfer, tous mes parents musulmans à l'enfer, aussi les chrétiens qui mettent les mains comme un Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est pourquoi actuellement je fais parce que c'est pas où partir. Et je fais ça aussi pour avoir mon père. Mais comme tu as parlé, j'ai compris. C'est là qu'il m'a dit d'arrêter le salon, d'arrêter les méchés, de coiffer, de faire comme quoi si je suis sur les déchets. Quand j'ai dit aux gens, entre que mais quoi, quand Dieu a dit qui? Quand Dieu a dit quoi? Qui de tous les jours c'est toi? Dieu dit. Tous les jours c'est toi. Tous les jours Dieu sait. Tu vois démon partout. Toutes choses sont démon. Toutes choses sont comme ça. Il y a une servante de Dieu pour elle n'est pas où. Je parlais à ma quelques promo. Supérieur, quel promo au Maroc là-bas. Il est parlé, maman, puis voir aux airs. Tous les jours, c'est elle qui me parle mal, qui me lance les propos. Je ne vais pas très stresser de mes 10 doigts. Je connais bien très ça, il va abandonner. Quand un jour aussi, Dieu va lui ouvrir les yeux. Elle dit en songe, c'est comme elle s'était lavée. Elle a fini de se laver. Vous voyez les femmes des semaines, des femmes, des hommes de Dieu. Quand elle court habille, même si c'est sa veste, c'est toujours pantalon qui est en bas. Elle ne va jamais courir du jupe, toujours ses pantalons qui est en bas. Elle a fini de se laver tout, elle s'est bien habillée, elle s'est bien maquillée. Donc comme de la même manière qu'elle fait physiquement, ce que tu fais physiquement, c'est comme ça ton âme. Et son âme, elle s'est bien maquillée, tout. Elle a porté veste blanche avec son pantalon blanc. Voilà comment Dieu va permettre qu'elle arrête de me persécuter. Toujours je vois rien ici, de moi ici. Voilà. Quand elle s'est habillée, elle a pris son sac à main. En songe, elle dit qu'elle sortait, elle partait. La cour où elle est, et puis où elle doit aller prendre voiture, c'est qu'on a 200 mètres ici, Goudron. Elle doit marcher pour aller prendre voiture pour sortir.
Au milieu de la route, elle voit une dame grande, elle en pantalon. On dit qu'elle a porté tout son corps, en tout cas un peu exposé. Et elle a des mains sur elle, tout. À ces éléments qui sont dans maillot de bain, patapon, un tout type d'habit que les femmes portent pour exposer leur nudité. Et quand elle a vu en esprit, c'est comme la voix lui a dit, c'est la sirène et ses agents. Elle a dit, sirène des eaux, je mets le feu sur toi au nom de Jésus. Quand elle a dit, je mets le feu sur toi au nom, quand elle a tapé la main, tous les agents de la sirène ont disparu comme le vent. Maintenant, Wata, elle-même, elle a dit. C'est elle-même qui m'a dit, oh, mon pied, quoi, Rosé? Que Wata a arrêté, Wata dit, femme, c'est vous qui savez mettre le feu sur les gens. Où tu es là? Produit que tu prends pour défriser tes cheveux là, c'est pour moi. L'ornement du dragon mèche que sur ta tête là, c'est pour moi. C'est mon royaume que tout cela vient. Ce que tu as à tes reins, les pelles à tes reins là, ça m'a bâti. Hein? L'anneau que tu as à ton doigt ici, ça m'a bâti. Vernis que tu mets pour marquer, tu prends pour cirer ton teint, hein, pour attirer le regard des hommes là. Ça manque et ça appartient. Tous tes bijoux que tu portes, tes chaînes que tu portes, tout ce qui est sur toi, ça manque et ça appartient. Et la sirène, sinon toi-même tu m'as bâti. Aïe sur la terre, aïe dans son rêve. Toi-même là, dans toi-même là, tu m'as bâti. Et bien elle se réveille. Le jour, elle était là-bas et puis elle va me raconter. Dieu a bien fait pour te répondre. Toujours elle me met dans la bouille des fidèles. On n'a qu'à dire moi, je vois des mots partout, je vois quoi partout. Elle a vu que là aussi. Donc voilà ça. Et je vous dis, chers parents, on dit on adore Dieu, on dit on prie Dieu, on dit on glorifie un Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prêchent pas la repentance. Les hommes de Dieu ne condamnent pas le péché. Les hommes de Dieu ne prêchent pas la sanctification. Les hommes de Dieu ne prêchent pas le salut. Les hommes de Dieu ne prêchent pas le royaume de Dieu. Tous les jours, bénédiction, miracle, prodige, restauration. Que pensez-vous à faire des faux hommes de Dieu? Quand la Bible parle des faux prophètes, des faux docteurs, là, vous pensez que c'est qui? Les hommes d'apostasie, vous pensez que c'est qui? Vous pensez que c'est ceux qui sont allés prendre portion, magie, qui sont allés prendre puissance occulte, c'est eux seulement qui sont faux hommes de Dieu? Non. Mais celui qui ne guide pas aussi le peuple de Dieu selon la doctrine de Jésus-Christ, lui aussi est appelé le faux pasteur, le faux prophète. Bien-aimés, voici le verset qui nous éclaire à nous dépouiller des ornements mondains. Le verset qui nous éclaire. Ésaïe 3, verset 18 à 24. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 15. Jérémie 4, verset 30. Jacques 4, verset 4. 1 Jean 5, verset 19. Ézéchiel 7, verset 19 à 21. 1 Pierre 3, verset 3. Genèse 35, verset 1 à 4. Chrétien. Il faut répéter les écritures pour eux. Je répète les versets. Je répète les versets. Ésaïe 3, verset 18 à 24. 1 Timothée 2, verset 9 à 11. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 15. Jérémie 4, verset 30. Jacques 4, verset 4. 1 Jean 5, verset 19. Ézéchiel 7, verset 19 à 21. 1 Pierre 3, verset 3. Genèse 35, verset 1 à 4. Ce sont les versets qui nous éclairent à nous dépouiller des ornements mondains, des vêtements indécents, d'une part aussi des pantalons d'âme. Deutéronome 22, verset 5. Chrétien, retenez que l'or n'est pas créé pour la mode. Dieu n'a pas créé l'or pour la mode. De même que le ciment n'a pas été créé comme matière de construction. Mais l'éternel de Dieu, de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, a créé l'or pour la construction. Vous savez que le diable a toujours perverti la création de Dieu. Lorsque le péché est rentré dans le monde, Genèse 3, par Adam et Ève, lorsque le péché est rentré dans le monde,
Nous avons été assujettis au serpent qu'est le diable. Nous avons été assujettis au serpent. Quand le péché est rentré, Dieu n'a pas maudit le serpent seul. Il a maudit Adam, il a maudit Ève et puis le serpent. Les trois ont été maudits. Donc, l'homme a été maintenant assujetti au serpent. Et vivant sur la terre, nous imitons toujours la gloire de ce monde. Et à cause de nos coutumes et de nos traditions, avant que le péché, comme je l'ai dit, rentre dans le monde, l'or que Dieu a créé, c'est à cause de l'or. Vous n'avez pas dit Dieu a créé l'or pour que les hommes bâtissent hein, le temple. Les hommes bâtissent leur maison, font des constructions inébranlables, les constructions qui ne vont jamais s'écrouler. C'est pour ça que Dieu a bâti l'or. Mais c'est par la suite du péché d'Adam et Ève que nous avons été assujettis auprès de ce monde, que Babylone, le diable Satan, par qui la mort va fut créée. Satan, Babylone, par qui la mort fut créée. Sinon que tout ce qui existe dans le physique commence d'abord dans le spirituel. Et c'est ce qui existe chez la grande prostituée Ouattara, Apocalypse 17, verset 1, que les Libanais qui ont signé pas avec elle ont reproduit physiquement pour tromper les humains, les êtres humains naïfs. Et toi qui veux juger ce message par ta connaissance humaine, s'il te plaît, maîtrise-toi un peu. Toi qui veux juger ce message par ta connaissance humaine, faut te maîtriser un peu. Réfléchis un peu sur ton âme. L'âme n'est-elle pas cachée dans le sang? L'âme copie le physique de l'homme, comme je l'ai déjà dit. Quand tu es noir, tu rêves, tu te vois tel que ton physique est. Quand tu m'as produit, tu rêves, tu es clair. Lorsque vous voyez quelqu'un sur le point de mourir, quand vous voyez quelqu'un dans l'agonie, en train de mourir, si cette personne a mis les mèches, les maquillages, les produits éclaircissants, n'est-ce pas quand l'âme sort de quelqu'un, on dit la personne est morte. Quand ton âme va sortir, ton âme va copier où? Qui connaît le jour de sa mort? C'est que toi, tu as été créé avant Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qu'un jour peut enfanter. L'homme ne sait rien. Même tout de suite là, le touche du bois, qui sait quand tu vas sortir, tu vas avoir accident. Ou les gens vont mourir dans la voiture tout de suite. Qui sait? C'est Dieu seul qui sait ce qui est préparé pour aujourd'hui. Dieu seul sait. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui met les mèches, les maquillages, les bijoux, produits éclaircissants et tout ce qui est semblable, citer, quand la personne est dans l'agonie, quand l'âme sort, ah, l'âme copie tout ce qui est sur toi, tout ce que tu as mis sur toi, c'est ce qui fait la cause des prédicatrices et les servantes, les fidèles de l'église, les femmes qui sont beaucoup à l'enfer. Ce qui fait que les femmes sont beaucoup à l'enfer. C'est ça qui est là. C'est un piège que le diable a mis. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous sommes des passages sur cette terre. David a dit, Seigneur, je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Notre demeure est bel et bien décrite dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1. À la fin, notre demeure est bien décrite là-bas. Un ouvrage qui n'est pas fait de main d'homme, le paradis de Dieu. Là-bas, on marche sur l'eau, on ne fait rien avec l'eau. L'eau pour laquelle on tue les gens, on massacre les gens, on fait sacrifice humain. Chez Dieu, on ne fait rien là. L'eau n'est rien. Ta maison hein, est bâtie là-bas derrière des pierres précieuses. Si tu dois avoir maison aussi chez Dieu, c'est que tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes. L'eau. Dîmes et offrandes sont les matières de construction au ciel. Je le dis aujourd'hui, je parle pour la sirène. Si l'église a fait une organisation, vous voulez bien fumer, c'est là que je vais vous dire l'islam, commencement, tout, ce que Dieu a montré dans Folie, jusqu'à à la montée aussi là-bas, en montrant le paradis et puis l'enfer. Là, ça sera un autre programme. Donc, chers parents, c'est ce qui est là. Aujourd'hui, 98% des prédicateurs ne prêchent pas pour le salut des âmes, mais je vous dis, l'Éternel m'a dit, ils sont déjà, en tout cas, on n'est pas dit leur nom, ils sont déjà accordés pour l'enfer. Ils sont déjà à l'enfer. Les églises auxquelles vous voyez, on ne dit pas aux âmes de se débrouiller. Toi, tu vas guider ta vie à l'enfer, et puis toi, tu seras sauvé. Tu as menti. Ce que tu as semé pour Dieu, tu moissonnes aussi pour ton âme. On ne fait rien au hasard avec l'Éternel. D'autres connaissent la vérité, mais ils préfèrent ne pas dire la vérité aux âmes parce que s'ils disent, leurs églises vont se couler. Et ils se soucient du nombre de personnes qui contiennent les lieux de culte. Hein?
Église de Dieu, Jésus-Christ a dit, notez, Jésus-Christ a dit, Jean 15, verset 18 à 19, Luc 9, verset 62, Jean 10, verset 10 à 15, Matthieu 15, verset 14, Jean 8, verset 44 à 47, Matthieu 23, verset 13, Jean 12, verset 46 à 48, je répète, Jean 15, verset 18 à 19, Luc 9, verset 62, Jean 10, verset 10 à 15, Matthieu 15, verset 14, Jean 8, verset 44 à 47, Matthieu 23, verset 13, Jean 12, verset 46 à 48. Eh bien aimé, maintenant je m'adresse à vous, déguiseur. Je m'adresse à vous, faux docteur, faux prophète, à vous, ouvrier trompeur, vous, tombeau blanchi, qui endoctrinez les âmes de mon père par vos enseignements pernicieux et qui les égarez loin de la droiture de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Je vous déclare que vous savez très bien la tâche que vous occupez et l'œuvre que vous exercez en faveur de votre maître Satan l'usurpateur, pour qui vous diffamez la vérité en mensonge. Vous qui vous souciez du grand nombre de personnes pour remplir vos lieux de culte, afin de remplir vos poches et pour attirer le regard des hommes. Pharisiens que vous êtes, Dieu cherche les vrais adorateurs qui mettent sa parole en pratique et non le grand nombre de personnes. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Samuel 15, verset 22, Psaume 37, verset 16, Matthieu 22, 14, je reprends, 1 Samuel 15, verset 22, Psaume 37, verset 16, Matthieu 22, verset 14. Voici une parabole pour toi. Toi qui te proclames pasteur, toi imposteur, qui te prends pour ce que tu n'es pas, toi prétendeur. Voici une parabole pour toi. Sinon, parabole de Matthieu 20, verset 1 à 16. Voici une parabole pour vous. Ton maître, quand le Seigneur Jésus-Christ t'a loué comme ouvrier pour travailler dans son champ, et qu'au temps de la récolte, ton maître arriva et trouva toute la récolte pourrie. Il n'en trouve pas une semence dans le champ qui fit sa joie. Ceci étant, quelle récompense te sera-tu à l'arrivée de ton maître? Quelle récompense t'accordera ton maître au temps où la récolte toute est pourrie? Toi prétendant qui te déclare pasteur, c'est vraiment triste et honteux de voir des chrétiens à l'enfer comme des coupables. C'est vraiment triste et honteux. Tu vas souffrir ici et tu vas aller souffrir encore là-bas. Ah, des bacs terrestres, ce n'est pas amusement l'enfer. Pourquoi où je suis? Ça vient, beaucoup vient. Mais j'ai une mission avec mon Dieu. Mariage, je n'ai pas mari, je n'ai pas enfant, il y a foi dans la c'est pas mon problème. Il faut répéter ça. L'œuvre de mon père ou rien. Parce que d'autres ont fait enfant ici. Se sont mariés ici. Mais ils se trouvent à l'enfer. Vous cherchez quelle gloire même. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quand tu as marié qu'on va savoir que Dieu t'a béni. C'est mariage et bénédiction. Mariage, là, c'est une institution divine. C'est pas mauvais. Mais il faut attendre ton tour. Si Dieu veut que tu te maries, que tu ne restes pas. Comment? Hein? Selon que la Bible dit, des personnes qui se maintiennent, c'est à la main avec un homme, ni une femme. Oui. J'ai oublié le nom de ce type de personnes-là. Oui, comme faut la manière que Paul était. Oui, les personnes qui se conservent à ne pas aller avec un homme, avec une femme-là. Non. Hein? Unique. Ah, les eunuques, merci papa. Donc, si toi, hein, Dieu t'a pas appelé à être comme les eunuques, Dieu va permettre que tu aies un homme dans ta vie. Mais où on peut aller là?
ça devient diabolique maintenant. Ce mariage n'est plus pour Dieu. Après maintenant, c'est pour aller tomber sur le fils de l'usurpateur et dire que non, je n'ai pas eu bon mari et vous divorcez. Mais si tu as divorcé ici aussi, sache que tu seras condamné selon Hébreux 13, verset 4. C'est la vérité. Hébreux 13, verset 4. Tu seras condamné. Parce que quand tu es uni, c'est pour toujours. Là-bas, il n'y a pas mariage. Mais Dieu va juger aussi les adultères, les impudiques. Ah, condamnation. Ceux qui. Mari divorce. Même si aujourd'hui, il faut dire, je me suis repenti. Mais le fait de te marier, divorcer, d'autres femmes, merci, allez prendre. Toi-même, tu es bien condamné. Ce n'est plus la même pour toi. Donc, c'est ça qu'elle a là. Donc, à l'arrivée de ton maître vient. Voyant la réponse pour ne pas dire le champ que tu as fait, tout est pourri. C'est quelle récompense ton maître va te donner. Quelle récompense ton maître va te donner. Donc pour conclure, parents chrétiens, quand on suit un Dieu, il y a des principes et des conditions à suivre. Ce n'est pas le nom de l'Église qui sauve, mais c'est la pratique de la parole de Dieu. Il est vrai que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et la vie éternelle. Mais, être humain, sachant que chacun est responsable de la destinée de son âme, soit au paradis, soit à l'égarement, à l'enfer. Toi-même, tu es responsable ici. Même si l'homme ne te dit pas, l'homme qui t'enseigne ne te dit pas, il ne faut pas mettre mèche, il ne faut pas te maquiller, il ne faut pas porter pantalon d'âme, il ne faut pas mettre quoi que ce soit. Quand tu entends aussi de ceux qui parlent de ce message, il faut t'approcher pour mieux comprendre le pourquoi. Sinon, ton maître même qui ne t'enseigne pas la vérité, il est déjà condamné pour l'enfer, mais toi aussi, tu t'en iras à l'enfer. Il ne sera pas à côté de toi lorsque tu dois rendre compte à Dieu. Il ne sera pas à côté de toi. Lui, il a sa part, toi aussi, tu as ta part. Nous, en tant que musulmans convertis en Jésus, on disait aux gens, moi je suis né dans l'islam, mon père musulman, ma mère musulmane, moi je ne peux pas changer pour être chrétien. Sur la terre, il y a papa, il y a maman. Là-bas, c'est mon bas, mon rêve, mon équilibre. Personne n'est appelé, tu es venu seul, tu vas seul. Là-bas, chacun rencontre pour lui-même. Hébreux 9, verset 27. Donc, c'est ça qu'elle a là. Donc, chrétien, s'il vous plaît, ne soyez pas religieux, mais soyez déterminés pour votre salut dans le royaume de Dieu. Comme esprit, soyez déterminés, engagés comme esprit, selon Romains 12, verset 1. Pour échapper à l'enfer, soyez engagés pour suivre Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on ne vieillit pas et puis on meurt. On ne vieillit pas, on meurt. On rend compte à Dieu à l'âge de 7 ans. 7 ans déjà appelé à la condamnation. Le chiffre de la perfection. 7 ans. D'accord. Donc, quand il est écrit Romains 12, verset 1, Matthieu 7, verset 21 à 23, Ecclésiaste 8, verset 8, Hébreux 9, verset 27, ne soyez pas religieux. La vie avec Jésus, c'est un engagement. Sinon, reste dans ce monde, vis ta vie comme bon te plaît. Là, tu sais déjà où tu t'en iras, comme ceux qui ont laissé leur Créateur pour aller se donner à Satan pour vivre dans le royaume des ténèbres, à l'enfer éternellement. Hein? Il faut quitter Jésus. Il ne faut pas passer. Il ne faut pas dire que tu as suivi ton Dieu, qui a payé la dette de ton péché, et puis tu vas encore aller à l'enfer. Et pendant ce temps, tu as fait quoi? Il faut rester dans le monde. Il faut retourner en même temps. Retourne. Si tu retournes, c'est mieux pour toi. Que tu suives Dieu et puis tu vas aller à la fête. C'est mieux pour toi. Il faut retourner. Donc, si tu ne t'engages pas comme esprit pour Dieu, je te le dis en vérité. Sur la porte de l'éternel au paradis, si c'est moi qui te le dis, je ne suis pas établi sur toi. Il est écrit à la porte du paradis, sainteté et justice. Sainteté et justice. Si tu ne t'abstiens pas des mèches, des maquillages, produits éclaircissants, pantalons d'âme, les laines, hein, tout ce qui est artificiel, teinture, yomo, toi qui mets yomo, yomo aussi est teinture. Arrêtez de mettre yomo dans les cheveux. Teinture à toutes les couleurs, comme façon tu connais les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Yomo aussi, c'est péché aussi. Teinture, elle a cité sous la main aussi. D'accord. À la porte
de l'Éternel est écrit sainteté et justice. La porte de l'Éternel, sainteté et justice, ne te reconnaîtra pas au jour de ta mort à cause de tous ces objets cités. Croyant, allons en profondeur de la Bible et qu'elle nous éclaire davantage selon le livre de Jean 1, verset 1 à 4. À tout à l'heure pour le réveil mondial, au nom de Jésus-Christ. J'ai fini. Wow, vous avez entendu tout ça? Ce sont des révélations. Et Dieu est en train de parler à ses enfants. Tout ce qu'il faut faire pour aller au paradis, c'est ce que Dieu est en train de nous révéler depuis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et de vous préparer à la prochaine vidéo qui apparaîtra même juste là. De Seigneur se bat et soyez prêts. Jésus revient bientôt. Il faut se sanctifier. Que Dieu nous donne la force de nous dépouiller de tout ce qui est de ce monde qui ne nous appartient pas. Amen. Prenez soin de vous.